Haïti corruption ILCC frappé encore. L'État attaqué Reginald Boulos yon l'autre fois encore nan problème. Youri la tortue nan go tête chargé pour l'argent l'État qui mal dépensé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Mwen kontan yon l'autre fois ensemble avec nous. Kontan rentre la kayou mes nouvelles yon en détail sur réseau Paola. Selon ULCC, Régine ak Natacha Blanc, Reginald Boulos, Emeline Girona, Bruce ak Real Business Entertainment, c'est quelque non moun sa yo ak kompayi yo monté pour piller l'argent l'État. Dans le moment de parler à la, ULCC déjà mandé pour saisir gros somme l'argent yo gen la banque. Après, yo te fin découvri faux papier moun sa yo bay ak menti yo bay l'État. Côté au découvrir, yo manger comme l'État mal. Qui j'en bataille ça fini, personne ne peut connait. Cependant, yo bataille politique touche dans l'aria, gain dossier, gain causé, président Jovenel, yon fois de plus, mesdames, messieurs, attaqué. En prenant titan sous reprise ça, tandis tout ça qui a passé dans l'analyse, yo montré bourgeois yo bloqué en pile comme en yé pas réglé. Combien de monde sa yo qui pral en bas code nous pour connait. Entre temps, bataille politique là la, lancée dans pays a pral chaud, c'est insousé. Youri nan kouri, Reginald Boulos nan gros problème. Plus explication ak Louko Désir matin débat pour te information. Entendez tout sa kap passé dans la République. Le docteur Reginald Boulos et famille. Parmi tant d'autres, dans le collimateur de l'ULCC, et donc dans le collimateur de l'ULCC, pour le dossier de Real Business Investment, à quoi peut-on s'attendre? Dans l'émission Matin Débat, nous avons commencé une enquête. Donc finalement, nous venons camper enquête là, parce que nous avons des informations sur question. Il y a une compagnie qui est le Real Business Investment. Mais il faut que maintenant que nous n'avons pas de temps d'information que c'est Dr. Reginald Boulos avec un paquet d'autres associés qui t'a mis de compagnie ça. Il nous a parlé de lui ici dans l'émission Matin Débat. Parce que les dossiers de venir nous dans Matin Débat, nous avons trouvé que c'est un scandale parce que son pays qui a un paquet de bagages qui a passé là-dedans. Real Business Investment. Pour que ça, ULCC poursuivre là, je dis là, c'est parce que une équipe a partenaire associé qui mettait ensemble, qui montait compagnie, qui est le Real Business Investment. Puis ils ont construit un paquet de cailles, un complexe, souvelé, dans Thomasin. Comme qui débloqué depuis 2018. On a parlé de 260 millions de goudes. Divisé par 105, je dis à vous, combien de goudes en américain. 260 millions de goudes depuis 2018, madame, monsieur. Les ULCC, à le chercher qu'on est, eh bien, dans le four et j'ai gardé. Madame, monsieur, comme l'a débloqué en 2018, pour projet à faire. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2021. Mais mon poteau pas planté sous terre. Ça va être 2,476,190,48. Donc à peu près 2,500,000 là. Ouais. OK. Mais mon poteau pas planté sous terre. Les USS a regardé comme l'a débloqué et puis comme l'a débattu. Il fait plusieurs petits cailles chaque côté ou bien comment? Non, comme la débattu. Il va faire complexe là. Comme là, son compte, et puis compte là fait transfert vers d'autres mounes, vers des mounes. Qui va gagner pour avec. Donc il a gagné pour Bojay, mais il est là de tout, pas gagner pour avec Bojay. Pas oublier, docteur Reginald Boulos, il a un dossier devant ONA, devant ULCC déjà. Et dossier ça, Bamba nous information pour l'histoire et la vérité. Le dossier du docteur Reginald Boulos et celui du sénateur Youri la Tortue,
rive campé alors sous question pharmacie également sous question ferme non dossier campé côté le campé c'est parce que ou pas capable directeur général qui était là qui t'a mené dossier et monsieur Hans dit pas qu'à continuer à dossier sans que li pas coincé maître Chester Pierre de regretter mémoire mais raison qui fait que dossier a pas avancé parce que Chester Pierre quand même c'est du pouvoir de regretter mémoire et maître Chester Pierre te rend un pile service à pouvoir comment capable faire nos dossier et puis ou va avancer la donne et puis pour pour le mettre dans petit soulier, le directeur général qui rend service à pouvoir. Pouvoir pas capable de manger encore. Et pop partenaire pas, pop monde pas, mais qui raison qui fait que dossier a campé. Bon, maintenant, maître Chester Pierre mouri. Dossier ça, qui a venu donc devant l'ULCC. Mais son dossier quand même, et que nous-mêmes avons suivi ici en émission à débat. Maintenant, Real Business Investment, son deuxième dossier. Qui a rapport avec le docteur Général Boulos qui devant l'ULCC. Et là, mal entendu, on garde pour nous. On nous garde les motifs là. Parce qu'on paquet visa, on paquet considération. On paquet considérant. On garde les derniers considérants, considérant que l'argent de l'ONA est un fonds public qui, et qu'on regarde l'article 2 du décret. Du 8 septembre 2004, l'ULCC a pour mission de protéger les biens publics et collectifs. Par ces motifs, nous, maître Hans-Jacques Ludwig Joseph, directeur général de l'ULCC, agissant en notre qualité d'officier de police judiciaire et de gendarme anticorruption de la République, ordonnons à toutes les banques et institutions financières établies sur le territoire national de geler la somme de 260 millions de goudes représentant la somme détournée et l'amende, attendez bien, et l'amende égale au triple de la valeur du bien détourné. Vas-y, là. A fait combien? Et il faut que tu me dises quoi, c'est moi. Et l'amende. Vas-y, ok? Combien comme là? Et l'amende de combien? De 260 millions de gouttes. 200. Et l'amende égale au triple de la valeur du bien détourné à verser au profit du trésor public ou toute autre somme inférieure à ce montant se trouvant au nom de ces personnes, toutes membres des différents conseils d'administration de la République. 780 et entreprise millions. Suivante. Isabelle Valmé. Compte Madame Isabelle Valmé, ULCC mandé pour yo gelé. Freeze. C'est mon zate douim. Pierre, docteur Pierre Réginald Boulos. Yusil Pierre. Emeline Giovna Brice. Sébastien Boulos. Mélissa Régine Boulos. Ma famille Boulos. Natacha Blanc. Et Real Business Investment RBI, identifié respectivement au numéro Palatibadaba. Rappelons aux différentes banques et institutions financières que, faute par elles d'obtempérer à la présente, elles pourront être poursuivies comme facilitateurs de blanchiment du produit du crime conformément à l'article 5.3 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption et l'article 58 de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme fait à ULCC le 22 juin 2021. Mais 780 millions de gouttes. Et divisé par 105. 7 millions.
7 428 571. 7 500 000 dollars. Oui, ça oui. Donc, mais ça dossier, et dossier Real Business Investment. Permettez ça, que politique là-dedans? Je ne sais pas si il y a pas de gain. Et l'ICE, on va gagner administratif. Mais, et quand il y a souvent entré dans l'autre contexte, est-ce que c'est Réginald Boulos seulement? Non, pour qui ça c'est. Pour qui ça c'est Koulia? C'est pas Réginald Boulos seulement. C'est le bagage, c'est plusieurs. C'est pas Réginald Boulos seulement. Pour qui ça c'est. Précision sur Réginald Boulos, parce que gagner, non, c'est Sébastien Boulos qui la donne avec Mélissa Régine Boulos, qui est censé famille Boulos. Ça vient pratiquement et mettez projecteur sur Réginald Boulos. Mais je dis là, et pour qui ça c'est moment ça tout. Mais il était fait clair que le projet n'a pas réalisé. Oui, c'est pour dire, il est administratif. Maintenant, étant donné qu'on bataille politique entre Réginald Boulos avec le gouvernement, bon, là, toujours gagné, ou pas plus qu'à négliger les questions politiques. Disons, si Réginald Boulos pas de jam éclaté contre le président Jovenel, est-ce qu'il t'a fait? Clair. Pas qu'on est, non? Non, là, pas, ouais, là. Là, ben, dans la toute, pas qu'à pas une politique dans ça. Non, parce que c'est un homme politique. Oui. C'est une bataille politique. Parce que bataille politique, madame, monsieur, nous tout le dit le matin. C'est pas... La mène sur tous les fonds. Oui. Maintenant, si Boulos, si même Liba, Jovenel Moïse, tête ni dans ça, est-ce que là? Ça, c'est le connaître. Jovenel Moïse, écoutez, pas imbécile, parce que si, écoutez, madame, monsieur, ça, il n'y a pas qu'à pas une politique là-dedans, mais cependant, ils sont démarches administratives. Oui, voilà. Et malheureusement pour Boulos, dossier ça, Real Business Investment là, il y a non là dans nos petites li avec nos. C'est pas ces petites li, c'est Régine, Maron Mélissa. Maron Mélissa, Régine, Maron. Ok? Et malheureusement pour lui, et de fait, comme l'a débloqué, frère. Maintenant, il faut attendre la réponse du docteur Réginald Boulos. En retenant pour nous. Est-ce que c'est pas la réponse politique? Ouais, non, ça. Non. Écoutez. Souvent, Louko. Mais c'est quoi faire politique, papa? Non, mais c'est écoutez. C'est pas une blague, non? Ouais, ça. En pile fois, c'est une bonne administration qui bat un coup d'épaule, un coup de pouce dans la politique. Très bien. Comprenez ça, Blédou? C'est une bonne gestion qui bat un coup de pouce politique. Clair. Même si une mauvaise gestion, à détour politique. Est-ce que ça, Blédou? Clair. Maintenant, question, c'est pas une question politique. Mais puisque bonne gestion, Li joué wola pour quand tu cap de force politique là, correct. Et ben même j'entou c'est une mauvaise gestion. Et ça me dit où et bien. Ça fait politique pour moi même c'est la plus grande ou bien la plus belle chose que au monde peut faire. C'est vrai. Mais bon green bagaille pour connait. Eh ben. La politique est morale. La politique est morale. Ah non. Faut pas associer dans rien pas clair. Louko, la politique est morale, très bien. Ça go pas là. De fois nous comprendre madame monsieur. L'aime parler avec entourage président Jovenel Moïse. S'il y a plein bout de nèg dans pays là. Premier nom il y aura les noms docteur Réginald Boulos. D'ailleurs docteur Réginald Boulos il pas jamais caché position et tout dit tout le monde que lui-même est en opposition. S'il a demandé de pas ordonner, je dis il a bonne raison tout qui fait que il a demandé de pas ordonner. Il pas caché non plus pour le dire que il était supporté Jovenel Moïse donc comme président comme candidat à la présidence. Il pas caché là. Donc, elle dit que entourage Jovenel Moïse a plein, ça veut dire que Jovenel Moïse a plein. Mais, je dis, que monsieur, nous n'avons pas plein, c'est nous qui avons le pouvoir. Elle dit, non, nous connaissons, c'est vrai, nous avons le pouvoir, mais nous connaissons, bagaille, chef là, nous avons le bagaille. Je dis, ok. Mais il est clair et ouvert, il est très ouvert, tout le monde connaît. Il y a une bataille politique entre le président Jovenel Moïse et le docteur Réginald Boulos. Dans le dossier ONA, premier dossier qui a rapport avec le sénateur La Tortue. Ce n'est pas seulement le docteur Regina Boulos avec le sénateur La Tortue qui a peut-être un dossier où tu as une question pour poser sur ONA. Il n'y a pas de problème. Dans le secteur privé à tout.
Mais comme sous bataille politique, depuis qu'on a qui pas trop clair, eh bien, mon gars Fassoua, c'est sous l'île pas jouer. Mais dans ce réel business, c'est maintenant. L'un te parle de ce sa première fois. Parce que nous-mêmes, tout ça qui a pour appeler Yann Balel, papa nous mentit, m'a connaît si t'es docteur Reginald Boulos. M'a connaît. Je te parle même d'un notaire. Ok? Je te parle même de l'autre monde. Même pas te connaître, c'était docteur Reginald Boulos. Mais c'est l'un moi de ça hier. Je dis, oh! Bataille politique là, raide. Donc, Reginald Boulos, dans la bataille, il est dans la on garde pour nous, entre Reginald Boulos et Jovenel Moïse, qui est-ce qui a gagné la bataille? Vous connaissez. Mais Jovenel Moïse comme président? Ouais, bataille, on parle là. Et l'on t'aime. Oh, c'est moi qui non, c'est moi qui t'aime, non? Attendez, c'est pas vraiment d'un, non? Mais pas vraiment d'un, oui? Ah, de longtemps? Ah, longtemps lié, ok? On garde comment bataille ça finit. Quand on a Jovenel Moïse clair lui-même, il n'a pas attaqué Reginald dans tout niveau. Mais t'es qu'on l'a, oui, tout le gâteau à Jovenel Moïse, mandé pour Jovenel Moïse arrêter Reginald Boulos. Même si monsieur Soukibaz. Il t'a bien un pillage. Non, même si monsieur Soukibaz. Monsieur n'est pas responsable de tout, bon, c'est Soukibaz. Mais, dossier Real Business Investment, ça. Baba nous menti. Boulos. L'on fait politique, c'est battre pour. C'est pas président, non, pour arrêter mon nom. C'est dossier. Mais voilà, oui, très bien. Qui a arrêté, c'est dossier, tout le monde doit faire la fois appeler Somat. Très bien. Si il y a un dossier bon, la fois appeler Somat. N'est-ce qu'il y a plein tout pour Dr. Boulos dans le palais? Parce que dans le budget, il y a une ligne budgétaire pour Reginald Boulos même. Hein? Pour question de Faval là. Comment ça? Oh. Quoi de là, c'est. Ah. Regardez, dans le budget, dans le budget. Budget de la République Haïti. Budget de la République là, mon frère, code là c'est 12-14-739. Gon ligne budgétaire pour question Timoun qui mourit dans Siro Faval là. C'est gouvernement ici qui a payé depuis 1996. Comment ça? Et vous plein de bâles en pile. Pourquoi? Non. Jovenel Moïse plein de bâles en pile. Tout en tout, j'ai plein. Comme si chaque année budgétaire. Depuis le budget à Barrett non là. Il y a l'assistance mensuelle urinaire. Ligne budgétaire. Assistance mensuelle urinaire. Code là c'est 12-14-739. Allez, Aïsien qui vous voyez avec. Est-ce que. Vous avez dit que. Faval te font poser contre le gouvernement. Il y a un gouvernement. Je vais tout détail. Je vais tout détail. Yo. Oui, alors, aspect ça. Oui, aspect ça. Nous avons toujours tout le nom. Je ne vais pas vraiment écouter ce ça trop bien. Mais sauf que Pierre Esmeralda te fait une déclaration, il te un cop qui baille, il a boulossé monter sur radio. Il te dit mais l'on parle de budget monsieur. Parce que alors quand on parle de budget, le budget de l'État, OK. Depuis 96, c'est l'État ici qui a payé Mounzao, famille Mounzao. De moun de 5000 gourdes, de 3000 gourdes, ben comme ça. OK, c'est on son pitance oui. Non, mais non, même qu'elle dit un goût, c'est l'argent. Donc, c'est l'inan, l'assistance mensuelle urinaire. Donc, quand c'est 12-14-739. Ok.